Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, on est au parc Astérix. Et ça s'annonce d'être une très très bonne journée car voilà, il y a du beau temps tout simplement. Et puis on va en profiter pour faire des attractions aquatiques, pour Mini Express, le Grand Splash, pour se rafraîchir un peu. Car je pense voilà qu'il va faire quand même chaud aujourd'hui. Donc ça y est, on est rentré dans le parc. Donc comme j'ai dit, ça va être une très très grosse journée, assez chargée je pense. Car là on regarde un peu où commence pour l'instant le rush, il n'est pas encore 10h. C'est déjà très 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 bien rempli, il y a beaucoup de personnes qui rentrent. Donc il y a des chances que le parc ferme à 19h, ce serait vraiment bien pour l'occasion. Bon alors du coup là on est dans le fil de temps de la trace du rat, pour faire tout simplement la trace du rat. Voilà. Tout à fait. Que dire de plus? Au parc Astérix, pour préciser. Voilà, au parc Astérix. Et puis on se retrouve en on-ride. Et on arrive en haut. Et attention, c'est parti. De la trace du rat, de moi se diriger du côté de l'oxygénarium en passant un peu par la zone peur sur le parc où il y avait anciennement la foire aux citrouilles. Alors c'est vrai que cette zone, franchement ça me manque parce que je me rappelle peur sur le parc, j'ai passé énormément de temps dans cette zone, mais il faudra attendre octobre et puis au final je pense que ce sera bien, peut-être qu'il y aura des nouveautés. Et on peut voir juste derrière moi qu'il y a le cinéma qui est fermé pour la réhabilitation, pour faire tout simplement un cinéma 4D pour 2019. Donc on verra un peu, on verra ce que ça vaut. Et donc là on est dans la file d'attente de Oxygénarium, donc il n'y a pas trop de monde, ça va, peut-être que ça augmentera en journée, donc on en profite. C'est sûr qu'il y a autre chose, mais on arrive. Ou alors peut-être avec une eau toute claire magnifique. C'est parti. Tu sais, ils ont encore des hectares autour, donc... Donc on est dans la zone Égypte avec le petit show, le petit spectacle des jets d'eau en même temps. C'est vraiment vraiment super joli. Par ah, peace. Pour le coup on se croirait vraiment en été là. Ouais grave. Je vois, on dirait. Bon et
puis là du coup je suis littéralement au milieu de la route au niveau du parking de l'hôtel des Trois Hiboux. Tout simplement on va aller voir un peu l'avancée des travaux de l'hôtel La Cité Suspendue. Et puis en même temps ça me permet un peu de voir cette partie du parc parce que j'y vais quasiment, j'y suis même jamais allé pour pas vous mentir. Et on voit du coup une petite vue avec Goudurix derrière, vue assez spéciale. Et juste ici on a Tonnerre de Zeus. Donc alors là nous sommes toujours dans le parc, alors ça fait une petite séquence un peu voilà transition. Et puis si vous voulez on est au niveau de l'hôtel des Trois Hiboux pour voir un peu l'avancée. En même temps ça me permet de voir un peu à quoi ressemble l'hôtel tout simplement. Mais en tout cas franchement enfin je n'ai jamais dormi à l'hôtel des Trois Hiboux, mais là première impression juste d'être comme ça dans la forêt. C'est super, si vous voulez, j'avais vraiment peur au début que quand on était. J'ai vraiment peur voilà, que dans cette zone, comme c'est juste à côté de Goudurix, tout ça, que ce soit extrêmement bruyant. Et finalement, non, c'est super calme, c'est ça qui est assez. Assez bizarre, mais en tout cas, c'est. J'adore l'ambiance, l'immersion, c'est vraiment super. Donc voilà, là on a pu vraiment s'approcher au plus près de le nouvel hôtel en construction, La Cité Suspendue. Et première impression, franchement, je vais pas vous mentir, je ne pensais pas que ça allait être aussi grand. Parce que ça, voilà, ça débute là-bas, si vous voyez bien. Et ça fait tout ça, ça se termine ici, ça a vraiment l'air très 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 grand. Bon après c'est encore en travaux, mais quand ça ouvrira au public, je pense que ce sera très très intéressant de dormir là-dedans pour s'immerger pleinement dans le parc. Surtout qu'en plus il faut penser que bientôt, enfin dans les années à venir, c'est 2019, voilà, 2019 il va y avoir le nouveau hôtel, les quais de Lutèce. Bon la construction n'a pas vraiment encore commencé, c'est plus du déboisement pour le moment. Mais c'est vrai, enfin quand il y aura ces trois hôtels, alors un là-bas, un ici et puis celui qui est un peu plus là, les quais de Lutèce qui sera plus loin là-bas, ce sera vraiment super je pense. Et là nous sommes de retour du coup en zone Grèce devant la zone de la Pégase Express avec la gare Montparnassos et nous allons faire du coup voilà, comme vous savez Pégase Express. On se retrouve tout de suite en on-ride. 4, 3, 2, 1, 0 ouais. Ça j'ai la champotion dégueulasse hein. Bon les gens ouais. Les freins. Bah les freins ça va, je préfère celui-là que celui-là. Hein. Ouais c'est vrai. Et le lift de... Magnifique lift. Il y a le char. Et dire qu'on était tout là... Hein. Et dire qu'on était tout là-bas. Ouais. Tout ça c'est rempli de décor. On est déjà en haut. Oh y'a un frein. Il n'y avait pas avant. Et c'est parti la drop. On est à Disco Bélix et on se retrouve tout de suite en on-ride. En fait, à chaque fois que vous avez. Regarde, là, ça s'arrête ? Non. C'est le moteur. C'est non, le moteur. Ouais. Est-ce qu'on se fait chier ? Et ça tourne. Wouh.
Regarde. Ça fait mal au couille. Ouais. Est-ce qu'on va faire un troisième tour? Troisième tour ou pas? Allez, on peut... Ah, moi j'ai mal, voilà quoi. Et on fait troisième. C'est donc sur ces images que cette vidéo va se terminer. Alors si elle vous a plu, vous connaissez, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne ou à laisser le petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !